Oh, ben, il m'a respiré oxygène, ben, il m'a respiré gaz lacrymogène. Une pensée pour ceux qui ont succombé sous les coups de balle. Sans gêne, les coupables sont encore libres. Pendant que c'est là, et où nous cogoyons, c'est que où nous cogossions. Comme à l'abattoir, le bétail ne se plaint pas du couteau qui l'égorge, mais de la main qui l'a conduit à l'abattoir. Et encore une fois, bientôt les élections, ils viendront avec leur discours de prédilection, nous faire croire qu'ils partagent nos peines, mais n'hésiteront pas à nous larguer une fois leur victoire certaine. Face à cette mascarade, comment rester silencieux? Car si la mort, je suis la voix des sans-voix. J'ai dit que j'étais un haut-parleur, ils m'ont retiré le micro. Ils veulent que je reste un beau parleur et vanter leur mérite, mytho. Si je dis que je suis un combattant, ils diront que le slam est un délit. Ben oui, le slam est une arme, où à la place des balles, il y a des mots. À la place du sang et des pleurs, il y a de la joie, des rires et une prise de conscience. Car le slam est une arme pour éveiller l'essence d'une conscience qui semble s'endormir. Le légitime Mike Homme, le fils de l'encre et de la plume. Merci. Et je voudrais, avant d'appeler ce dernier candidat, rappeler les critères. Nous avons 3 minutes sur scène. Il faudrait vraiment respecter la portée du thème, la thématique de ce soir, le slam au service de la communauté. La diction qui sera notée aussi sur 5, la portée sur 10. Les minutes sur scène, c'est noté sur 5 points. Et puis la présence scénique, notée sur 10 points. Le tout dernier candidat de ce soir, il s'appelle El Freeze. Il nous vient de Lomé. Baba, si nous allons. Tu vas tout manier, tu peux que tu repiques, que tu repens. Vim, ma paix, pour ton dos, vim, pour ton dos, ma foi, couvre, non, fia, pour la grande. Vim, 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 pas d'or, que ne me l'a pas vendu, que ne me l'a pas, non, que ne me l'a pas. Ah, la roue, Kafla, et fiorga, vous boutons, mon yabo, bien la bé, la tobe, la bois, mani. Vois, m'de coucou, de mon âme, m'a yé, dit, patate, patadoua, et tu baignes. Be et vieux de ka Congo et vieux de ka Tingo kele a loti melele a tikesi be dokita a me wene yele tabe lenti voa et do amou le vo onya be ma so ma soro le do no mele nebe do a me kele kule nou so do anti et tiens onya ka fly fio ka bubuto le mio la do veve du non no klobodo la do to kloboto to la le du kobe kesi non oubli bo mais non visi le reka o me la peto la ben comme mi bliba mi fom la ma ou se bolisa que le hike kone abe titina to a rone mozo la ben comme que le nike kelite si be perodi. Now we are waiting for God intervention, divine intervention, God intervention, divine intervention. Shalem. Ce présumé meilleur slameur n'est pas la quête sans du slam. Salam à Wendell Berry qui stipule que l'idée du slam n'est pas de créer des stars, ni même de glorifier le poète, mais de servir la communauté. Alors, avec tout ce que mes frères et sœurs viennent de faire, qui parmi nous peut prétendre que le slam ne sert pas la communauté? Qui parmi nous peut prétendre que le slam ne sert pas la communauté? Dans la vision de l'ONU SIDA, le slam prône zéro discrimination, zéro infection. Aux côtés de l'association Recherche, Action et Prévention des Addictions, le slam dit non à la drogue, non aux addictions. Aux côtés de l'ONG RAPA, nous disons non à la drogue, non aux addictions. Avec le ministère de l'Environnement, le slam prône l'honneur d'un peuple, celui de l'espace vert, celui de l'espèce verte. Que vive la terre, que vivent les hommes. On prône l'honneur d'un peuple. Au cœur du Festival international du film environnemental, nous n'écologisons pas là pour être uniquement que des éco-critiques ou des éco-poètes, mais nous portons l'écologie dans nos slams et désormais nous sommes des éco-slameurs.
Slamer, c'est aussi chanter, danser pour égayer la cité. Et là, la nature m'inspire, je me drogue avec des mots, délire de rime, sourire au mime, rire, c'est rire, alors rire et aime, déclic de môme, déclic de môme, on rime, on rame, on crame, on rappe à la harpe. Alors, avec tout ça, qui parmi nous peut prétendre que le slam ne sert pas la communauté? Abizu, Eyodese, Slam Iwazu de Getie. Mia weni hakpanya nuelo kwesimu. Mia weni kabla gonu dikpola ba patiagan. Mi ona nuna na tohe, ku djadje. Le gode kwekpe me le mia bedo onome. Ne mia denik ba bakponko de dele inti fa fame. Minya bela veme. Amen. Amen. Le premier de ce soir, nous le serons. Mais la balle a été dans votre camp, cher mon public. La deuxième balle dans le camp de nos jurys qui sont en train de faire un gros travail. Cette fois-ci, je vais demander à toutes les candidats et candidates à monter sur la scène. En même temps, je vais convier les membres de jury si les résultats sont... Ok, les candidats et candidates, venez. En attendant que les notes, les scores soient au point. Et bon Mikelaya Pokware. Et bon Mikela Dami Panya Panya. Tu peux dire on y a Popo Sigue. Allo Anto Sigue Sigue Pono. Allo Mea Keke Banya Sigue Vato. Amesron e gamla sinye de ma kolay fast food de go. Nenye du e ha bubu be ge alo asa o bamo. Baba kolay da bo du bo mi la pefe ku da bibio. Gali bono. E mi la depi ta bono de di. Tous les matins, mi la no café doré, c'est-à-dire coco jen. Économie, elle est dans l'envie de faire ma vieux, parce qu'on doit démarcher Cisco. Il a mis ses plats portables à pata. Les concubinages, j'ai encore un petit dieu. Ma haïa visée du chanteur, non. Papa, on met un tel à gué point. Non, bénédiction, la couille, mi cou. Non, dieu, t'as dit, on a eu la le ouais. Et quand il y a la gué, quoi, gare. Et bon, il y a la dame, il y a un tu veux dire, on y a un bon poisson. Allo, un tonto, si bien. Allo, mea, qui est pas déjà si bien. Bon, nous, on peut les venir. Tada, manu, toito, toito, toito. Tada, manu, nenen. Tada, manu, toito, toito, toito. Tada, manu, nenen, nenen. Devia danser que nous la daïe un bis baby baby à 16 ans. C'est le fruit de ma générosité. Elle m'a fait le wak Burkinabé le bon timi togolais pour assurer ses arrières. Bon bon bon. Tada wado toito toito toito. Tada wado nenevi nenenenenevi. Tada wado toito toito toito. Tada wado nenevi nenen. Trois ans après, Devia a trop dîné mais on crie souvent. Bien là, il me dit, moi, tu la trotte, mais bon. Nous sur la trotte, tu es là, mais là, on va te dire, mais c'est fou, néné. Un coup, Jésus-Christ de Nazareth, devant ce nom, tout genou fléchira, toute langue confessera. Et la tombe, Salomon, à la fin de camp, la neuve d'arrêt dit Seigneur, libère mon âme de sa prison. Coudemont va le doigt à côté de la conne. Pour nous, nous allons avoir naïré, on vit en yannick, comme on nous l'a dit. Ah ouais, moi, t'as du quoi, moi, t'as du quoi, c'est. La 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 la. Parce que la mec, il est motivé à aller manquer. Tada maru toito, 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 toito. Tada maru neneri, neneneneneneri. Tada maru toito, toito, toito. Mais qu'est-ce que vous toitez le vieux pas?
acclamez pour vous-même pour annoncer les candidats aux candidats sur la scène. Avancez. On va les déstresser, c'est ça, non? Nous sommes pratiquement à la fin de l'atelier d'islam. Monsieur René vient de nous définir l'islam tout à l'heure. Ce n'est pas que de la distraction, mais c'est très instructif et c'est thérapeutique. Mes chers étudiants islam, vous donnez mots, pas donnez mots, mais donnez version de définition d'islam. Dernière version, enfin, ça ne change pas. Le slam, c'est tout. Le slam, c'est le beau. Le slam, c'est rien. Le slam, c'est le vide. Le slam, c'est le plein. Le slam, c'est la vie. Le slam, c'est l'ambiance. Le slam, c'est le cœur. Le slam, c'est scène. Le slam, c'est le public. Le slam, c'est la parole vivante. Oh, Jeff, ça va. Passe le micro à Cyril. On va se le Jeff. On va se le Jeff, s'il vous plaît. Le slam est une philosophie populaire. Le slam, c'est changer de rêve à son sommeil. Merci. C'est trop fort. Le gars, c'est un séditeur. Ovationnez-le. La poésie, c'est de la sédition. On va écouter nos chers candidats rapidement. Bon, pour moi, le slam, c'est l'expression de la vie, c'est l'affirmation d'une identité. Le slam, c'est un don. Quand on slam, c'est bon, 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 bon. On prend du bon, 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 du bon. Tant, 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 ils applaudissent. Bla, 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 bla. On chante, bang, 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 bang. Ils dansent, dans, 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 dans. Ils sautent, ils prennent du bon. Tant, tant, tant. On prend du bon, 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 tant. Tant, tant. On prend du bon, 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 tant. Merci. Les mots pour moi sont comme un médicament. Leur simple odeur dépasse des calmants. Les mots ensemble forment une arme. Le slam comme toute arme sable. Arme de destruction lyricalement massive, arme de conscientisation brutalement agressive, arme de séduction verbalement attractive. Merci. Pour moi, l'islam, c'est le miroir de la société. Merci. Appelle-moi légitime et humble. Notre passage sur terre crée des pénombres. Je ne suis pas seul. Non, nous sommes une légion. Parce que nous venons en grand nombre. On apporte la lumière où il fait sombre. Tu aimes ou tu n'aimes pas. N'aie pas peur, tu peux répondre. Pour moi, l'islam, c'est la séduction. Merci. Je marche, je cours, je tombe, je tourne le pile, je roule. Je crache, je pleure, je ris, je m'échine, je m'écoule. Dis-moi que le clairvoyant, le docteur, l'esprit. Pour moi, l'islam, c'est l'expression du beau. Et c'est l'unificateur de la communauté. Pour moi, le slam, c'est la construction d'un mot au service du bien-être. Pour moi, le slam, c'est le manteau. Le manteau contre le mal, le manteau contre le froid. Et enfin, la lutte pour la santé. Les âmes par l'islam sont pénétrées par la force profonde. Il ne faut rien confondre, juste un instant pour comprendre. Pour moi, l'islam, c'est une façon de communiquer avec soi ou avec ceux qui sont à côté de nous. Merci. On les ovationne très fort. Vous allez pouvoir étaler les deux pas de l'arrière. Cette soirée est effective grâce à des gens qui travaillent dans l'ombre. Je vais les appeler sur la scène, vous allez les applaudir. S'il vous plaît. Monsieur Serra Dadio, sous vos ovations. Oh, oui, non, il est pas bien venu là. Devant ici, les gens vont te voir, s'il te plaît. Monsieur Carlos. 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 Romain, yeah. Romain, mi ba mbé to mi yawo na mi le pono ya. Allez prochain on va bon dor. Parce que non. Ah, vous les mots. Jeff, Ezebios Prodoska.
Il y a d'autres dont j'ai tiré le nom d'abord, à la fin je vais les donner. On va se les lire. Merci. Je pense que c'est déjà bon au niveau des membres de jury. Ils ont une tâche très très lourde. C'est pas facile de noter les gens, surtout par rapport au slam, la thématique. Les critères, vous savez, c'est 3 minutes de test. La portée de la thématique est le slam au service de la communauté. La présence scénique, puis la diction. Noter des artistes sous ces critères, c'est pas facile. Ovationnez les membres du jury. On va donner le micro et bien à Madame Kama et Madame Vimi de nous donner les résultats. Merci. Je pense que les autres membres du jury m'ont fait l'honneur d'assumer cette lourde responsabilité. Il n'y a pas de hache parce que vous-même, vous avez vu le spectacle. Tous les slameurs étaient à la hauteur de la tâche. Personne n'a démérité. Ils étaient tous bons. Ils sont bons. Mais nous avions vous et nous, parce que le public aussi a noté, nous avions vous et nous de faire semblant de les classer. C'est tout. Et notre responsabilité revenait à 70% et la responsabilité du public était à 30%. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. On fait avec. Donc, disons que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de pouvoir dégager certaines personnes pour dire bon, tu es le deuxième, tu es le troisième, tu es le premier. C'était pas facile. C'était pas facile parce que si je devais le faire toute seule, je dirais tout le monde est premier. On va sur le jury. Les messages, tout le monde est resté dans le contexte. Le message était porté par tous les artistes. Chacun a essayé de sa manière de dire. Et de faire passer le message, de dire des mots qui portent toujours le même message. Donc, c'était bon, ils sont tous bons. Je profite pour vous dire félicitations à tous ceux qui étaient candidats pour ce soir. Félicitations, vous avez tous mérité d'être. Donc, ça veut dire que tous les six autres, c'est pas qu'ils ne méritent pas, mais vous avez compris. Il y a toujours mais parce qu'on nous doit, on se doit de dégager. C'était ça la responsabilité, c'est lourd. C'est lourd, c'est pas facile pour moi en ce moment. Après cet exercice, le jury de ce soir et le public a retenu Jack le clairvoyant comme le troisième. Ce soir, c'est Jean Lebon. Avant que je ne dise le nom de celui qui ira en Angleterre l'année prochaine, je vous demande d'applaudir très fort pour vous-même. C'est pas fort. Je vais noter les applaudissements.
Merci à vous tous. Merci. Nous remercions Aposto, Déo qui nous ont permis de décorer notre scène. Nous remercions tout le public, les médias qui nous ont soutenus depuis le début. Demain, à Chacha Jazz Club, à partir de 20h. Merci. Vous avez aussi une diction, ça a été remarqué sur la scène. Qu'est-ce que vous avez amené dessus? En fait, avant, je n'arrivais pas à bien parler, les gens, je me disais. Mais on m'a conseillé de lire, et j'ai commencé par lire des poèmes. Et quand je lis, je lis à haute voix. Et même pour apprendre, je lis toujours à haute voix. Et je crois que c'est. Et j'essaie toujours de lire du coup. Une nouvelle édition de Francis Allen avec un nouveau thème. Pourquoi avoir choisi ce thème? Oui, ça fait la 9e édition, et à chaque édition on essaie toujours de trouver la thématique sur laquelle les candidats devaient compétir. Et nous avons jugé bon de choisir comme thème cette année le slam au service de la communauté. Parce qu'on se dit, on ne doit pas être artiste juste pour distraire, mais apporter quelque chose à notre communauté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, de par la musique commerciale, la population en a marre de certaines vulgarités. Donc nous avons pour mission d'aider les artistes à écrire sur des thématiques porteurs qui peuvent apporter quelque chose au développement de notre Afrique et pourquoi pas pour le développement du monde entier. L'innovation de cette édition, la formule a changé. Avant c'était des grands shows réservés à un seul jour. Cette année, s'est étalé sur 4 jours, sur 3 jours du 2 au 4 novembre. Déjà hier, on avait commencé avec le spectacle du label Harmony Slam du Bénin. Ils nous ont présenté une joute verbale en spectacle. Et tout ce qui se disait, c'était du slam. Il y avait deux équipes qui se confrontaient. Aujourd'hui, à l'Institut français du Togo, nous avons fait la finale de la Coupe nationale Kalimba Challenge et ensuite du Grand Show. Chaque édition, on invite toujours des artistes d'autres pays qui viennent pour donner de l'éclat à l'événement. Voilà l'innovation de cette année. Vous rappelez-moi un peu le nom de ces artistes-là? Ah ben oui! On est satisfait de par tout ce qu'on a fait depuis 2 ans. En 2 ans, on a eu à faire 8 éditions. Et la 3e année, ça fait 9 éditions. On voit l'impact que le slam a sur la population togolaise. Vous avez vu ce soir le monde qui est là. Ce n'est pas donné à un événement slam il y a des années en arrière. Donc il y a de l'engouement derrière. De plus, le slam c'est très instructif. Ça permet aux parents de ne pas avoir peur de laisser leur enfant faire du slam. Aussi c'est thérapeutique. Quand vous écoutez du slam, vous avez la gaieté. Ceux qui souffrent de tension, tout ça là, leur tension diminue.